vous allez voir, vous avez vu la miniature. On va chez notre ami Boiserie pour son événement, son premier gros événement, on va dire, qui devrait être récurrent normalement. Premier gros événement. Bah, c'est là, ça. Les autres, ils étaient pas gros. Ils étaient déjà balèzes, mais là, ça, normalement, ça annonce du très très lourd. Parce que c'est une foire, vraiment, foire à la Boiserie. Il va y avoir tout le monde, il va y avoir UJ, il va y avoir MX Test, etc. Enfin bref, il va y avoir tout le monde. Donc on se donne rendez-vous les gars, là on va charger à l'atelier. On va chercher le camion frigo après, parce que comme vous le savez, on est partenaire Le Cochon Français. Du coup, on va exposer aussi des produits, des saucissons. Du coup, bah, je pense que je vais faire chier tout le monde là, parce que j'ai récupéré une enceinte Clipch portative d'ailleurs, qui sera disponible bientôt sur notre site internet de Sono. C'est n'importe quoi. Et j'ai un micro dessus, donc autant vous dire que je vais faire chier tout le monde tout le week-end. Donc on va charger tout ça. Et puis on va se retrouver direct à Cholet les gars pour l'installation du stand. Allez, c'est parti. Nous sommes arrivés. Bonjour Kevin. Ça va? Alors attends, parce que du coup notre stand, nos stands, c'est ça là? Sur la largeur. Toi, t'es garé dessus ou pas là? Ouais, je suis dessus. Mais toi, faut qu'on la foute dehors après. Oui. Mais toi, tu décharges au fond, où c'est qu'il y a la barrière. Et comme ça, ça va ou quoi? C'est bien pour se faire les ongles. Tu vas bien? Bah là, c'est nickel, hein, putain, c'est magnifique. Tu te gares au fond et on va décharger déjà le tien et après on met la tonnelle. Non, comme tu le sens. Attends, il veut. Il va reculer. Allez. Bon bah allez, on vous fait un petit timelapse. On va décharger. Et puis après on va aller faire le petit tour. Voilà, on va aller dire bonjour. Nous allons faire chier tout le monde tout le week-end. Autant vous dire que on va rien emballer. Tout doit disparaître, les amis. Et c'est parti. On va à la douche. Ouais, on va à la douche. Je vais filmer, on va aller à la douche. Regarde, je vais montrer le petit Airbnb qu'on a pris. On n'a pas toujours des trucs pourris. Des fois, on a des trucs stylés. On a même de quoi faire une petite retouche de couture. On a la chambre de Kevin. Yeah. Qui est bien habité. La chubie. Il y a des chiottes. Elle est en train de déménager là-haut. Oh là là. La petite cuisine. C'était la semaine Martin. Et puis. Et il est de la terrasse. Non, il n'est pas au courant que t'as une Aston Martin. Ah bon? Elle est un peu incroyable. Voilà. Donc petite douche ce soir. Puis demain. Demain, grosse journée. Grosse journée. Allez. Allez, c'est parti là. Il y a 30%. Il y a un petit peu de monde, c'est pas grave. On va changer la batterie.
fait dévaliser. On va, là, je vais chercher à manger parce que c'est un peu calme. Et je vais vous emmener avec moi. Voilà, on va visiter un peu tout le monde. Enfin, d'abord, je vais aller chercher à manger parce que j'ai faim. Et après, on va visiter. Ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Vous allez voir qu'une personnalisation un petit peu, ils font de la peinture, de la vanille, de la déco, ce soit des pistons. On va aller faire tous les stands, d'accord? C'est blindé à chaque fois, le stand de boiserie il est blindé. Alors je rappelle que les animaux sont interdits dans l'enceinte du Parc Expo. Avec ce magnifique raptor qu'on a fait. On l'a fait dans une autre vidéo. Je vous la mets là, d'accord, au niveau des sandwichs. Vous pouvez cliquer et aller regarder la vidéo, normalement. Si Thomas n'a pas la flemme de faire le montage, vous pourrez cliquer. Le beau véhicule, il est à vendre ? Ah non, incroyable. Et tout est à vendre. Tout est à vendre. Allez, à 100 000, je le laisse. 100 000. À 100 000, c'est donné, c'est une aubaine carrément. C'est cadeau. Ça sent du saucisson.
On a bien vendu, on a vendu pas mal de saucissons aussi les gars, donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir et d'acheter en livraison, parce qu'ils font aussi en livraison, je vous laisse le petit site internet qui va bien, le site du cochon français, faites-vous plaisir les gars, je peux vous garantir qu'on avait mis le ventilo, ça a fait plaisir à tout le monde parce que l'odeur du saucisson partait partout là, ils ont tous pété un câble, ils nous ont dévalisé, voilà, donc on a un beau stand, je suis content des Barnum qu'on a acheté. Donc demain, rebolote, bon, là je suis éclaté. On range et on se retrouve demain les gars. Allez. C'est parce que c'est lui qui a été tiré au sort pour le skate de la tombola là. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Vous êtes encore sur place ou pas?
Ah ok, vous êtes parti. Et bah écoute, et bah, tant pis, on va tirer quelqu'un d'autre. Non, non. Et bah écoute, je te remercie, je te rappelle après pour prendre tes coordonnées, ok? Voilà. Ça roule, merci hein. Ça y est, l'événement boiserie est terminé les amis. Donc là nous sommes en direction du château. J'ai pris un des véhicules du coup pour aller direction le château. Il m'a laissé la M4 compétition orange les gars. C'est assez agréable à conduire. Donc là on va direction le château. Pourquoi ? Parce qu'on va récupérer le compresseur que j'avais laissé il y a quelques années quand on avait fait le Monster Truck. Parce que du coup là on est en panne de compresseur. Il y a les courroies compétées donc on les a commandées. Mais du coup on est dans la merde. Donc demain on a du taf à l'atelier. Donc il nous faut un compresseur. Donc là je le récupère vu qu'on a le camion. Et comme là ils avaient besoin de personnes en plus pour pouvoir ramener les voitures, et ben on s'est proposé tout simplement. Voilà. Donc on se retrouve au château. Et puis après on a 4 heures de route. Chaud 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 comme il dit. Je vais t'aider à remonter les trucs là. Ça on le monte là-haut. Ça va rester là. Je suis éclaté. T'en chies? Tu veux que je t'aide? Non mais il me demande ça une fois que j'ai fait 20 mètres. Bah oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marine. Marina. Joyeux anniversaire. Il m'appelle Marina. Joyeux anniversaire. Sur la boîte qui était par terre. Ah putain, voilà. Bon, c'est là-bas. On va finir de décharger. Et puis, il faut que je retire les images de cette GoPro du week-end. Ça fait quel âge? Ça fait au moins 25 ans. 25 ans. Ouais. Retour de boiserie, c'est l'anniversaire de notre chacha olympique. On va finir de décharger ce camion là. Et puis. Et nous on va aller on va s'en aller. On va aller se balader et puis toi tu vas travailler. Non je déconne, j'ai trop de boulot mec. On ira au restaurant chat ce soir. Tu veux ? Voilà. On va où ? Je veux. Bon on ira au McDo. Ouais. Qu'on aille à Flunch. Ah. Allez, on va Flunch. Je sais même pas s'il y a des Flunch, je disais. Ça existe encore Flunch ? Je veux. Ouais. Ouais. Déjà hier on a bouffé McDo, Ça faisait 3 ans que j'avais pas mangé ouais, ça. Ouais, en fait c'est que j'avais envie de frites. D'accord. Des frites. Ouais. Des frites. J'adore les frites. Ouais, c'est cool. Déjà la petite. Bon allez, on finit de décharger. Ouais. Tu me fais un café, t'es mignonne. Merci. Du coup, à quel âge, 39. 42, je crois. 42. Ah putain. Bon allez, on finit de décharger ce camion là. Faut qu'on aille le rendre. Faut qu'on fasse de la place. Parce qu'en fait, demain, on a les franchisés, les nouveaux franchisés qui viennent pour faire la formation avec Kevin. Et du coup, et on a un camion qui rentre. Donc moi, je vais aller à l'atelier, je vais attaquer la peinture de sol et on pose les portes sectionnelles. Ouais, et lui va s'occuper du camion. Ça, c'est la vidéo travaux. Travaux, non, là, c'est la fin de la vidéo de la boiserie, je pense. D'accord. Voilà. Donc vous verrez de toute façon. Bah, du coup, parce qu'une vidéo au camion là c'est moi. Oui, vidéo au camion c'est toi. Bah de toute façon mec elle va sortir dans un mois celle-là. Oui. Quoique je te dirais faut que t'as 2 semaines. Ok. Donc 2 semaines. Bah, t'as 7 jours en fait. 3 jours. Ça serait très triste. Enfin bref, on va faire ce qu'on peut déjà les gars. Hein. Donc Bah, j'ai envie de te dire, on peut faire l'outro comme ça. Hein, ouais. Parce que sur ce. Bon, oubliez pas de vous abonner les gars, c'est important. Ce petit événement était bien chambé. Merci encore d'être venu nous voir.
On a vendu du saucisson, vous le savez. Alors, il y en a plein qui m'ont posé la question, mais vous vendez du saucisson maintenant? Oui, en fait, non. On vend pas du saucisson, c'est que là, en fait, on exposait, donc on vendait nos nouveaux t-shirts. D'ailleurs, on a le nouveau t-shirt qui est disponible toujours sur le site internet. On vendait aussi nos goodies. Il y avait Kevin qui faisait de la gravure laser. Et on avait forcément, on représentait notre partenaire, le cochon français. Du coup, comme eux, ils pouvaient pas, il n'y avait pas de représentant qui pouvait être là sur place. Donc, ils nous ont dit, si vous êtes chaud, on peut directement gérer ça avec vous. Donc, c'est nous qui ont géré la vente du saucisson. Hein ? Qu'ils auront géré la vente du saucisson. Et donc là, il est en train de me niquer ma vidéo là. Voilà. La transition. Donc ils se sont dit, autant que tu vendes toi avec Mimi, parce que de toute façon vous allez sûrement réussir à faire ça correctement et je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré. Hein. Ça va. Hein Mimi, vous avez pu voir le show du micro. N'hésitez pas à intéresser Martial, les amis. Oui, moi je ne meurs pas. Ouais, c'est pas lui Martial, monsieur. Ça va. Voilà, super. Au final, je pensais que c'était moi qui allais faire chier tout le monde avec ça, et au final, c'est Mimi qui a fait chier tout le monde. On était bien d'ailleurs avec le speaker, une grosse dédicace d'ailleurs au speaker qui était bien cool, on s'est bien marré. Mais ouais, franchement, gros événement, c'est fatigant de taper des week-ends comme ça, mais ça fait vraiment plaisir. Fatigant surtout de retaper le lundi matin. Ouais, le lundi matin il fait mal. Bon, il est quand même 10h, ça va. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Je me suis levé à 8h20. Ouais. Ah comme moi. Commencé à 2h quoi. Ah ouais. C'est vrai? Ouais. J'ai pas vu ça dans les caméras. Arrête. Je rigole, de toute façon j'ai plus internet chez moi, je vois pas du tout. Putain. Enfin bref, voilà les gars, je crois que c'est l'outro la plus longue du monde. La plus éclatée. C'est pas grave, on s'en fout, de toute façon on fait ça pour le plaisir. Là, hein, la porte du coup, voilà. Je l'emmène comment là-bas? Faut que je la mette dans le crissaire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est très important, on continue à tout éclater. Bientôt, de toute façon, vous verrez, on va avoir d'autres vidéos de prévues. Comme vous avez pu voir, le HY de notre ami Lucien est bientôt fini. Donc ça va être bientôt à nous de faire feu, donc bientôt la peinture de ça. Il y a d'autres projets aussi, donc on va sûrement apparaître encore dans quelques vidéos à lui. Et puis on fera sûrement nos vidéos aussi là-dessus. Donc voilà, on se retrouve aussi dimanche pour une nouvelle vidéo de travaux les gars. Allez, je vous embrasse. Et puis comme ils disent chez eux, topette !